Alors, on s'appelle Dubartas, on vient du Languedoc. On va vous chanter dans une des langues de chez nous. Parce que chez nous, il y a plein de langues. Il y a beaucoup d'anglais, beaucoup d'allemand, et hollandais. Beaucoup d'arabe, de français et d'occitan. Voilà, d'occitan du Languedoc. La chanson qui vient là, c'est la chanson portrait d'un bonhomme de Carcassonne qu'on appelait Chimboumboum. Chimboumboum, il vivait, vous voyez Carcassonne, la cité, sa cité, son canal du Midi, sa gare. Eh bien, devant la gare, il y a le canal qui passe. Et là, cet homme, il vivait, il a vécu quelque chose comme une soixantaine d'années dans une cabane au bord du canal. Là, il est resté dans la mémoire des gens parce qu'il faisait plein de petits métiers. Et il allait filer un coup de main aux gens à la gare pour porter leurs affaires, pour porter des marchandises. C'était un excellent nageur. Il plongeait dans le canal du Midi. Les pompiers faisaient appel à lui pour repêcher les morts dans le canal. Alors il faisait un truc terrible. Il sortait le mort de l'eau et puis il disait donnez-moi la pièce quand même, parce qu'il se faisait payer pour tout ce qu'il faisait, forcément, c'était un travail. Et alors après il demandait un verre, alors donnez-moi un verre. Il prenait le verre et il levait le verre à la santé du mort, comme ça. Et il disait: Desulat, tu t'embas, eieu de mori, adi paure. C'est-à-dire qu'il disait en fait les paroles traditionnelles, rituelles de la crémation du carnaval de chez nous, dans le ciel. Voilà. Adi paure, il disait ça. Voilà, il faisait plein d'autres petits métiers. Il attrapait les chiens, il était payé pour attraper les chiens errants dans la rue. Et quand les propriétaires venaient pas chercher le chien, eh bien, on le rappelait à la mairie. Et il avait son métier, parmi tous ses métiers, c'était tueur de chiens. Donc au bout de quelques jours, il tuait le chien. Et alors, devant le cadavre du chien, il demandait la pièce, il demandait un verre, et même chose. Tu t'embas, eieu de mori, adi paure. Toi, tu restes. Tu t'embas. Moi, je pars. Et toi, tu restes. Salut, mon gars. Voilà, il est mort à la libération de Carcassonne en 1944. Il a pris une balle perdue lors de la dernière fusillade de la guerre à Carcassonne, et on y a fait la chanson qui suit: Chimboumboum.